intéressant et pour les professionnels et pour les bénéficiaires. Il me semble que déjà cet outil est un outil de dialogue, un outil d'analyse collective où les gens vont s'interroger non seulement individuellement mais en groupe sur ce qui fait sens, ce qui a de la valeur dans leur application. Et donc on mesure qu'en toile de fond, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire, c'est qu'il ne s'agit pas à travers cet outil d'être plus performant, d'être plus efficace, d'être plus rentable, d'être plus rapide, d'être moins coûteux. Il s'agit d'être plus sensible à ce qui fait la nature humaine. Ça me semble intéressant, l'indice d'alignement humain. D'abord, je trouve très pertinent l'alignement humain. Il y a énormément de gens qui ne sont pas alignés, tête, cœur, trip, ce que je pense, ce que je ressens et qui je suis. Jusqu'à présent, moi, je demandais aux salariés de noter l'entreprise, de noter l'organisation de 0 à 10. On avait une note de 7. Voilà. J'ai à peu près le même résultat avec l'indice d'alignement humain. Là, on va vraiment dans le détail. Je pense faire ça tous les 6 mois pour mesurer l'impact. On est 3 structures. Il y a une centaine de personnes qui étaient là aujourd'hui pour l'événement. Je suis assez convaincu que chaque structure en parlera autour d'elle et que s'il y a 10, 100, 1000 structures demain qui disent « bah oui, on a le pouvoir de changer des choses en changeant nos conditions de travail, en les alignant humainement », ça va tout changer.